Bienvenue à cette seconde émission dédiée aux origines de la Chine, et après avoir parlé du néolithique et des premières innovations, aujourd'hui nous allons nous pencher sur les premiers royaumes et dynasties. L'âge du bronze chinois est marqué par trois principales dynasties dans l'histographie traditionnelle chinoise, les Chia, puis les Chang et enfin les Zhou. Comme pour l'émission précédente, le fond de vidéo sera une frise chronologique retraçant les différentes innovations à travers le temps dans la Chine ancienne, durant toute la période qui concerne du coup ces vidéos. Pour la consulter en détail, vous pouvez la trouver dans la description de cette vidéo. La première dynastie des Chia s'étend de moins 2207 à moins 1570. Au début de chaque dynastie, il y a un fondateur. Et le fondateur de la dynastie Chia, d'après les textes, est le vertueux Yu. Les dynasties chinoises sont basées sur une succession familiale agnatique, c'est-à-dire les descendants mâles de la famille, frères ou fils. Le décompte le plus courant sur cette dynastie est de 18 rois. Et si le premier Yu fut un bon roi, personnalité fondatrice, bonne et civilisatrice, comme ce sera souvent le cas dans les récits à propos des initiateurs de chaque dynastie, celle-ci comprit aussi bon nombre de piètres rois. Avec Jie, le dernier roi, la dynastie touche le fond, avec ce tyran sanguinaire, cruel et pervers. Cette décadence inexorable mènera la dynastie à sa chute pour mettre en place la suivante. Peut-on parler vraiment d'un cycle sans fin dans l'histoire chinoise? En effet, selon la vision traditionnelle de l'histoire chinoise, chaque début de vie de dynastie débute par un cycle vertueux apporté par la bonté. Chaque début de vie de dynastie débute dans l'harmonie, du fait de la vertu apportée par son fondateur. Mais petit à petit, cette vertu se perd chez les successeurs jusqu'à aboutir à un tyran sanguinaire où un nouveau héros vertueux arrivera pour le mettre à bas et instaurer ainsi la dynastie suivante. Il en sera en tout cas ainsi des deux dynasties suivantes. Mais au-delà d'un cycle philosophique quelconque, la réalité historique de ce cycle est du fait du système financier du pays qui fait qu'au fur et à mesure du temps, il accumule d'énormes dettes jusqu'à ce que le pays ne soit plus capable de les gérer et s'effondre. Et en l'absence d'élection, forcément, ça se passe forcément par une épreuve de force pour renverser le régime. Dans la Chine de cette époque, tout comme auparavant, elle est subdivisée en diverses cultures éparpillées sur les territoires actuels. Même si de plus en plus de preuves archéologiques tentent à identifier la dynastie Chia comme étant la culture archéologique d'Erlitou, des historiens chinois refusent encore de faire le lien entre les deux. À l'époque Chia et Chang, la famille régnante utilisait des rituels élaborés et spectaculaires pour manifester sa puissance et donc son droit à gouverner. Il y avait en particulier des rites chamaniques, au cours desquels le prêtre ou le chaman, qui était souvent le souverain lui-même, communiquait avec les esprits des ancêtres pour être guidé par eux et s'assurer de leur protection. À partir des Chia, le pouvoir se dote d'une armée propre, abandonnant la tradition néolithique de défense assurée par la communauté tribale entière. Attends, j'en ai une pour toi, tiens. Est-ce que tu saurais me dire quand est-ce que sont apparus? Attends, un truc absurde. Les nouilles chinoises, tiens. Hein? Non, parce que la céramique, l'alcool, le cuivre, tout ça, on sait dire, hein, mais les nouilles... Bah oui, je sais. Tu déconnes. C'est bien durant la dynastie Chia qu'auraient été inventées les nouilles vers moins 2000, et ce sont les premières au monde. En même temps, tout le monde s'en fout. Des archéologues ont découvert un bol contenant des restes de pâte à l'intérieur de 3 mm de diamètre et de 50 cm de longueur, suggérant donc cette datation. Ces premières nouilles étaient à base de millet. Ce n'est que plus tard qu'elles se déclineront en nouilles de riz et de blé. Les premiers bronzes reprennent les formes des céramiques Longshan à la fin de la période d'Erlitou. À savoir qu'il n'y a pas de discontinuité nette entre les néolithiques et les Chia. C'est le même travail du jade, les poteries et ustensiles sont identiques, les pratiques divinatoires également. C'est donc la même ethnie néolithique qui a pris le nom de Chia et continué à évoluer. Face à la cruauté du dernier roi de la dynastie Chia, le roi Jie,
un chef de tribu du nom de Tang le Victorieux se rebella. Tang finit par battre l'armée de Jie dans une ultime bataille, le captura et l'exila. Quant au fils de Jie, Chan Wei, celui-ci partit se réfugier chez les voisins et irréductibles ennemis des Chinois, les Xiongnu, un peuple nomade des steppes. Ce nom de Xiongnu, donné par les Chinois, est péjoratif puisqu'il signifie « esclave féroce ». Chan Wei leur révéla l'état d'affaiblissement du peuple chinois et les Xiongnu surveillèrent alors les Chinois, cherchant le moment propice pour envahir le territoire. Quant à Tang le Victorieux, il fonda une nouvelle dynastie. Nous sommes en moins 1570, c'est le début de la dynastie Chang. La dynastie Chang va durer environ 500 ans, de moins 1570 à moins 1046. Tu me laisses dire ma date, ouais? Moins 1046. Durant cette époque, la démographie est estimée entre 4 et 4,5 millions au début et 7,8 millions à la fin. Cette dynastie a un rôle de premier plan dans la constitution de la civilisation chinoise, de par le développement et l'épanouissement des techniques du bronze et de l'écriture, dont les racines sont toutefois plus anciennes. Comme pour les Chia, les Chang peuvent être lus sous deux perspectives, l'une d'après la littérature traditionnelle chinoise et l'autre par les découvertes archéologiques. Traditionnellement, dans les écrits, la dynastie compte 30 souverains, un chiffre qui correspond à la liste reconstituée par les archéologues, ce qui confirme que malgré une part mythique importante, il y a aussi une part historique non négligeable dans les textes. La première phase de la dynastie est dite Erlegang Zhengzhou, du nom de la culture et de la capitale, qui durera jusqu'à environ moins 1300. Mais beaucoup de découvertes archéologiques liées aux Chang se sont faites à Anyang, leur capitale, de moins 1300 à la fin de la dynastie en moins 1046. Les sites majeurs de cette culture sont de vastes cités, dont les murailles en terre damée peuvent faire 7 km de long, 8 à 10 mètres de haut et 20 mètres d'épaisseur, voire jusqu'à 36 mètres à la base. On trouve dans les cités tous les éléments comme des ateliers, un four de bronzier, une citadelle, un palais, un temple dédié aux ancêtres royaux, tous en structure de poteaux et de poutres sur une terrasse en terre damée. Les villes regroupent surtout toute la caste aristocratique qui orbite autour du roi, des nobles disposant de fiefs, une administration militaire et civile, des prêtres et devins. À la tête de cette administration se trouve un yin, sorte de premier ministre, secondant le roi. Cette structure féodale qui s'installe en Chine précède de plus de 2000 ans la féodalité européenne. La société est extrêmement patriarcale, mais on peut noter l'importance de Fu Hao ou Dame Hao, général et reine épouse de Wuding vers moins 1200. Elle participe à la vie politique de l'État, ordonne les sacrifices, et sa sépulture fut une incroyable découverte car la seule inviolée de la famille royale. Et elle a du coup révélé un mobilier funéraire extraordinairement riche de près de 1600 objets, dont 1,75 tonnes d'objets en bronze, 700 objets de jade, des coupes en ivoire incrustées de turquoise et 4 miroirs parmi les plus anciens de Chine. Eh ben, on peut en dégoter des trésors dans ces tombeaux-là. Évidemment, ce type de traitement luxueux est réservé à la famille royale. Les sépultures du peuple sont beaucoup plus simples, regroupées dans des cimetières à proximité des villes, avec des subdivisions laissant à penser à des regroupements par famille. Le seul mobilier funéraire commun étant les poteries. Les bébés, eux, sont enterrés dans les zones résidentielles, voire près des maisons. Les enterrements des puissants s'accompagnent également de nombreux sacrifices. Jusqu'au début de la dynastie Zhou, sacrifices d'animaux et d'humains étaient pratiqués lors de nombreux rituels culturels de la Chine antique, dont l'inhumation d'un puissant de l'aristocratie. Et il pouvait s'agir de sacrifices conséquents de nombreux individus, comme ce fut le cas dans la tombe de Fu Hao. La pratique sera progressivement abandonnée durant la prochaine dynastie Zhou, remplacée uniquement par les sacrifices d'animaux. Les sacrifices humains pouvaient aussi avoir lieu lors des rites de consécration de bâtiments. Les poules, venant du coq doré, ont longtemps été considérées comme un animal faisant partie du foyer de néolithisation chinois et donc domestiquées depuis très longtemps. Mais en juin 2022, les archéologues, après avoir mené des recherches sur plus de 600 sites de 89 pays, constatent que les premiers gallinacés domestiqués datent seulement au maximum de 3670 ans.
Au final, la découverte de la première apparition de coqs domestiqués serait sur le site néolithique de Ban Nan Wat, dans le centre de la Thaïlande, vers moins 1600. Issu donc du coq doré, son élevage se serait ensuite très rapidement diffusé vers la Chine voisine, puis vers l'ouest, arrivant en Mésopotamie vers moins 1200. On peut noter l'apparition du char à timon vers moins 1200, véhicule à caisse carrée tiré par deux chevaux, c'est un instrument de puissance et de parade réservé au roi et à la haute noblesse. Le char de guerre, qui sera utilisé plus tard, est occupé par trois personnes, le conducteur, un archer et un guerrier armé d'une épée ou d'une lance. Le char est une invention importée par les contacts avec les peuples nomades du Nord-Ouest qui le maîtrisaient depuis bien longtemps. La proto-porcelaine se développe, c'est une céramique cuite et vernissée, proche de la porcelaine mais sans sa translucidité. Pour produire de la porcelaine, on extrait du kaolin, une argile douce, généralement blanche, qui tire son nom du chinois kaoling, signifiant « haute colline », où était justement extrait le kaolin et fut l'un des centres de production de porcelaine impériale durant des siècles. Tiens, t'avais dit qu'on parlerait d'écriture. Tu sais qu'en Chine, l'écriture n'est pas apparue pour des raisons comptables comme en Mésopotamie, mais bien pour des raisons rituelles, comme pour la divination. C'est vrai, l'écriture apparaît sous les Chang et sont liées aux techniques de divination, et les plus anciennes écritures considérées comme écriture seraient datées entre moins 1600 et moins 1500, bien que des légendes évidemment parleraient que ce serait l'empereur jaune qui l'aurait inventé 1000 ans plus tôt. Les preuves archéologiques concernent plus de 160 000 objets d'écailles gravées liés aux pratiques divinatoires. Il s'agit d'inscriptions oraculaires en scapulomancie, la divination sur des écailles de carapace de tortue, que l'on soumet à une pointe chaude, on lit alors les craquelures en T se formant sur les points de contact. Sur les différents artefacts, c'est près de 3000 wen différents, des caractères donc, qui ont été recensés. Il y en avait 10 fois plus au 11e siècle et environ 50 000 de nos jours. D'ailleurs, attention à ne pas prendre ces chinoiseries pour des mauviettes. Mais on peut noter des signes écrits plus vieux, dont les plus anciens signes néolithiques ont été retrouvés dans des tombes de la culture de Peiligan, datés de moins 6600 et dont certains traits peuvent rappeler des symboles de l'écriture chinoise. Mais loin d'être encore une vraie écriture, il s'agit probablement de l'aube des symboles qui, avec 5000 ans d'évolution, vont mener à l'écriture chinoise. On peut alors parler de pré-écriture. Les pictogrammes d'Awenku, vers moins 4300 ou moins 2300, ne sont toujours pas considérés comme de l'écriture, mais nous sommes bien là en phase évolutive vers celle-ci. Vers la fin de la dynastie Chang, puis les dynasties suivantes, l'écriture va trouver un autre support sur les bronzes, et la majeure partie des traces écrites de l'ancien chinois qu'il nous reste vient de ces bronzes. Parlons du coup de ces bronzes. La dynastie Chang voit le fort développement de ceux-ci, les vases rituels sont des biens de très grande valeur à l'époque Zhou et Chang. Ce sont des vases pour l'alcool ou la nourriture, utilisés dans des banquets de cérémonie en offrande aux dieux ou aux ancêtres de la famille. Les bronzes étaient enterrés avec le défunt pour que celui-ci continue d'offrir des banquets cérémoniels à ses ancêtres dans l'au-delà. Les décors extrêmement élaborés de la dynastie Chang, puis du tout début des Zhou, font que ces anciens bronzes sont parmi les plus reconnus et raffinés au monde. Mais le style va radicalement changer vers la fin des Zhou occidentaux pour des motifs beaucoup plus simples inspirés de la vaisselle de cuisine en céramique. Plus qu'un simple changement de décor, ce sont des vraies réformes sociales transformant la société et le pouvoir de l'aristocratie qui en sont à l'origine. L'écriture sur bronze aussi sera très fréquente dès les vases Chang, mais les textes vont aller se complexifiant durant la dynastie Zhou. Ces textes, liés à l'origine au culte des ancêtres, avant de se diversifier au niveau des sujets, vont d'abord être écrits à l'intérieur des objets, car destinés aux défunts, avant de passer plus tard à l'extérieur pour s'adresser aux vivants. Et au fait, Crix, j'ai entendu une théorie qui dit que les Chinois se seraient rendus en Amérique. C'est vrai, ça? Étonnant, hein? Eh ben, certains le pensent en effet, et voici pourquoi.
L'environnement néolithique de Mésoamérique est bouleversé soudainement par l'apparition de la civilisation Olmèque. Une brillante civilisation riche en nouvelles techniques qui va influencer l'avenir de toute la Mésoamérique. Ce bouleversement et évolution extrêmement rapide pourrait s'expliquer par une intervention extérieure. Mais qui ? Des théories avancent qu'un groupe relativement important de Chinois de l'époque Chang aurait traversé l'océan pour se retrouver en Amérique. Plusieurs questions se posent alors. Les Chinois avaient-ils la possibilité de naviguer en haute mer ? C'était certes pas leur habitude, mais c'est possible. Et pour se diriger à l'utilisation de la boussole ? C'est certes une invention chinoise, dont la plus ancienne trace date du 3e siècle avant notre ère, mais les textes traditionnels en font état d'une création bien antérieure par le mythique empereur jaune. Et même si dans les textes beaucoup d'inventions sont très largement antériorisées, les Chang avaient-ils néanmoins déjà la boussole ? On trouve une trace de boussole également retrouvée dans l'archéologie Olmèque, par la découverte d'une tige de magnétite qui pourrait en être l'aiguille. Cet artefact est nommé le fragment M160. Ensuite, pourquoi elle est si loin à l'est ? La raison est inconnue. Et pourquoi faire le parallèle avec les Chang ? D'une part, l'écriture, où certains font des parallèles entre les signes Chang et d'autres trouvés chez les Olmèques. Ensuite, l'utilisation importante et à caractère ultra précieux du jade. Et également des similitudes au niveau des religions, des connaissances astronomiques et astrologiques poussées, voire une technique commune pour ce qui est de l'orientation vers le nord vrai. La liste peut être assez longue. Mais tout ça est-il bien vrai ? Le sujet est encore très controversé et pas du tout validé par la communauté scientifique par manque de preuves tangibles archéologiques. Le principe des jeux de comparaison vaut pour tout et peut être utilisé à tort et à travers pour tout et n'importe quoi. Car celui qui veut voir quelque chose finit par le voir. Du coup, on arrive là aux frontières des systèmes de réflexion complotistes. Restons donc prudents encore. La théorie selon laquelle une épopée chinoise aurait traversé l'océan pour faciliter l'émergence de la grande civilisation Olmèque qui aurait inspiré toutes les civilisations mésoaméricaines, on en est encore loin, c'est qu'une vague théorie. Bref, comme pour les Chia, la dynastie Chang évolua vers la décadence, offrant des rois de moins en moins vertueux jusqu'aux tyrans sanguinaires. Le relais est alors similaire. Un héros sauveur, Wu Wang, détrône le tyran sanguinaire Dixin et fonde une nouvelle dynastie, celle des Zhou. D'abord vassal des Chang, les Zhou verront leur puissance augmenter jusqu'à être capables de les renverser afin de prendre le pouvoir et instaurer la dynastie Zhou en -1046. Démarre alors la première partie de la dynastie Zhou, dite des Zhou occidentaux, établissant leur capitale à Haojing, une cité centrale qui prendra plus tard le nom de Chang'an, puis Qing'an, qui sera la capitale de plus de 10 dynasties chinoises durant toute l'histoire de la Chine. La Chine a une tradition musicale très ancienne. Des flûtes aux tonalités précises ont été découvertes, ou encore des ensembles de pierres musicales Qing, des tambours et des ocarinas en céramique. L'avènement du bronze permet la création de cloches en métal, les Bianzhong, qui vont croître en taille. Durant la dynastie Zhou, ce sont de véritables carillons sophistiqués qui sont élaborés. Il s'agit de cloches à deux tons qui libèrent l'une ou l'autre note selon le point d'impact correspondant. D'autres instruments de musique traditionnelle chinoise vont se développer dans les siècles suivants, durant la dynastie Zhou ou pendant la période des royaumes combattants, comme le pipa, le guqing ou le guzheng. L'astronomie chinoise a été pratiquée depuis la très haute époque, mais au-delà de la simple observation et rédaction de catalogues d'étoiles, cette observation était aussi beaucoup liée aux pratiques divinatoires, que l'on appelle nous astrologie. Cette science des étoiles pratiquée par les Chinois est donc un mélange des deux disciplines, et il convient davantage alors d'utiliser le terme d'uranologie, science du ciel, qui couvre un peu tout, à la fois l'intérêt pour les activités d'en haut, les mouvements des étoiles ou phases de la lune, et les activités d'en bas, celles des hommes. Les premières traces d'observations astronomiques datent du néolithique, la plus ancienne éclipse observée datant de 2136 avant Jésus-Christ. Les premiers noms d'étoiles sont donnés sous les Chang, en particulier par le roi Wu Ding, soit entre 1339 et 1281 avant Jésus-Christ. Mais certains calculs, d'après les instructions astronomiques de la littérature traditionnelle, laissent reconstituer le ciel tel qu'il devait être il y a 18 000 ans, soit le début de l'astronomie chinoise vers le paléolithique supérieur. Ça paraît incroyablement vieux, mais en réalité, il en a été de même en Europe.
À l'ouest de la Chine, si la présence de chameaux de Bactriane sauvages est relevée depuis longtemps, leur utilisation domestique date plutôt de cette période, vers moins 1000. Alors que jusqu'à présent, les transactions commerciales se faisaient au troc, à l'époque des Zhou orientaux apparaissent le premier système monétaire, en forme de bêche ou de couteau, ou encore le début des pièces rondes percées d'un carré. On pourra aussi trouver dans d'autres régions des coquillages ou bronzes en forme de coquillage, ou des plaques d'or estampées. Sous les Chang, une trentaine de maladies au moins sont connues, savent être diagnostiquées et leur évolution est prévisible. Mais les soins de l'époque sont encore principalement de nature « magique », entre guillemets, la thérapie par les pierres, ancêtre de l'acupuncture, mais la chirurgie existe déjà. Mais c'est vers la fin des Zhou orientaux, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, qu'apparaissent réellement les professions médicales. Les remèdes par les plantes sont améliorés, combinés à des techniques comme les massages, bains, acupuncture ou ventouses. Les connaissances théoriques et pratiques se mêlant à la philosophie, les bases de la médecine traditionnelle chinoise telle qu'on la connaît aujourd'hui sont posées. De toute façon, on sait tous que côté santé, quand c'est le calme plat, c'est beau. Créé probablement entre le 8e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, le jeu de Go se répandra près d'un millénaire plus tard vers la Corée et le Japon. C'est un jeu de stratégie où il faut créer des zones de contrôle de sa couleur en les encadrant avec ses pions. C'est à la fin de la dynastie Han en Chine, vers le 3e siècle après Jésus-Christ, que le jeu de Go sera rajouté comme quatrième art sacré du lettré, les trois premiers étant la calligraphie, la musique et la peinture, qui sont pratiqués par l'empereur et ses courtisans. Mais tout n'est pas calme pour autant pour la dynastie. Le régime Zhou subit les assauts répétés des puissances voisines, notamment des nomades des steppes eurasiennes comme les Quanrong. Bien que l'on ne parle pas encore de peuples mongols qui apparaîtront bien plus tard, il s'agit du même type sociétal, nomade, éleveur et excellent cavalier. Bien qu'il dispose d'une puissante armée régulière, le roi Zhou doit souvent demander de l'aide aux chefs régionaux. La capitale, Haojing, se fait raser par les nomades, laissant l'emplacement libre pour les futures reconstructions de Chang'an, mais la défaite du régime Zhou face aux nomades Quanrong et leurs alliés les fait se replier à l'est. Ils installent leur nouvelle capitale à Luoyang. C'est le début de la période dite des Zhou orientaux, marquée aussi par un pouvoir central plus faible et instable. Les guerres entre les voisins sont nombreuses et bientôt éclateront entre les régions même de la Chine. Cette période des Zhou orientaux est elle-même coupée en deux, la période dite des printemps et automne marque encore une certaine autorité Zhou, mais l'indépendance des états internes se fait de plus en plus sentir. À l'abri de leurs fortifications, on compte alors près de 170 états formant alliances et ligues dans une pagaille diplomatique où ils étaient tous engagés. C'est la présence des nomades au nord des frontières de la Chine qui poussa à la construction de la Grande Muraille pour les contenir plus tard. Toutefois, les relations avec les nomades ne se contentaient pas des conflits. En effet, les civilisations vont s'influencer l'une l'autre. Le royaume Zhao récupérera par exemple le tir monté à cheval et les vêtements flottants comme les nomades. L'utilisation plus massive des chevaux et des chars sera également inspirée par eux. De même que des connaissances en termes de plantes ou d'animaux, ou la métallurgie introduite en plaine centrale depuis le nord. Entre les 6e et 5e siècles avant notre ère, Sun Tzu écrit l'art de la guerre, composé de 13 chapitres couvrant toutes les étapes importantes de l'affrontement militaire, de la préparation à l'attaque, en passant par les manœuvres d'approche, le dernier chapitre étant dédié à l'espionnage. Tenu en très haute estime par les dynasties chinoises suivantes, cet ouvrage est aujourd'hui un grand classique de la stratégie et de la tactique militaire que l'on peut toujours largement appliquer dans le champ militaire, mais également bien au-delà. Toutes ces innovations se développant en Chine lui donnent plusieurs siècles, voire plus d'un millénaire d'avance sur les peuples voisins qu'elle influencera par la suite, comme l'Asie du Sud-Est, la Corée puis le Japon. À partir de -403, la déstructuration politique du royaume Zhou, entamée durant la période des printemps et automnes, atteint son point final. Au fur et à mesure des petits conflits et absorptions, il ne reste qu'une quinzaine d'états indépendants autour d'un domaine Zhou se resserrant de plus en plus. C'est le début de la période dite des royaumes combattants, où ces ultimes royaumes vont se battre entre eux jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 7 principaux, et jusqu'à aussi la destruction définitive des Zhou en -256. La prochaine fois, nous verrons l'émergence de l'Empire de Chine qui naîtra de la victoire d'un de ces royaumes combattants sur tous les autres. Allez, sur ce, je vous laisse. Salut, ciao! Tiens, Nathan, une dernière chose, là, tant que je t'ai sous le coude, t'as entendu parler de la disparition de James Angstrom? Oui, oui. Drôle d'affaire. Et t'as des infos dessus, là? T'es en Chine en ce moment, c'est ça? La Chine. Je suis... Attends, j'ai noté tout ça tout à l'heure.
je suis Enkonomiya. Ashikoku. Quoi? Bah c'est au Japon ça. Ah chiotte, je suis pas en Chine. J'ai dû me tromper quelque part. Ah mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il est nul lui. Par contre, je peux t'envoyer le numéro de quelqu'un qui fouille vers Shangran. C'est bien en Chine ça, hein? Oui oui, ça a été la capitale impériale pendant de nombreuses dynasties. D'ailleurs c'est par là-bas que James a disparu. Oui voilà. Il pourra sûrement mieux t'aider que moi. Allez, ciao. Ok super, bah je te remercie Nathan, merci. Allez, à plus tard. Hé hey, Billy, on n'est pas du tout en Chine là, où est-ce que tu m'as emmené? Écoute Nathan, moi je t'ai emmené exactement là où tu m'as demandé hein. Bah oui, le pays du soleil levant. Ouais, le Japon quoi. C'est au Japon ça? Hé hey Billy, écoute celle-là. Que fait le professeur Jones quand on lui raconte une mauvaise blague? Aucune idée. Il a Henry Jones. Oh là là, c'est vraiment pas drôle. Ah si, elle est très drôle.